pas sage. Toc, toc, toc. Ouh là là, mais qui voilà? Monsieur le loup, en personne. Et que viens-tu faire par ici, monsieur le loup? Ha, 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 je passais par là et j'ai entendu du bruit. Beaucoup de bruit. Ah bon? Quel genre de bruit? Des bruits d'enfants. Moi, les enfants qui font trop de vacarme et qui poussent des cris toute la journée, je les croque. Ah bon? Et les enfants qui font trop de bêtises, ceux qui cassent tout et ne rangent rien, aussi? Miam! Oui, je les croque aussi. Et même les enfants qui disent de gros mensonges et de vilains gros mots? Miam, miam! Je les aime énormément. Je les croque, je les mets dans mon gros ventre et on ne les entend plus du tout. Et même les enfants tout cracra qui ne veulent jamais se laver ni brosser leurs petites dents? Miam, miam, miam! Je les lave, je les brosse et je les croque. Et les enfants qui font des caprices pour ne pas aller au dodo quand c'est l'heure? Je les adore, ce sont les meilleurs! Je les fais cuire avec du beurre et je les croque. Et les enfants sages? Tu les croques aussi, monsieur le loup? Je ne sais pas, je n'en ai jamais vu. Ça existe? Oui, là, juste devant toi. Oh oui, oh là là, comme c'est mignon, un enfant sage, trop chou, adorable, à croquer. Toc, toc, toc. Oh, mais qui voilà? C'est ta maman qui te cherche, monsieur le vilain petit loup. Oh, encore en train d'embêter les enfants? Je ne peux pas te croquer, je suis puni.